tous, c'est Nosia. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5. Donc j'ai un nouveau glitch, glitch astuce, c'est un peu les deux. Je vous expliquerai après vraiment les détails sur ce glitch, hein, je vais dire ce glitch. Donc c'est pour gagner de l'argent illimité sur GTA 5. Donc franchement j'ai trouvé aucun problème avec ce glitch. On peut le faire tout seul, on peut le faire à l'infini et il n'y a aucun risque de ban parce que ça penche entre un glitch et une astuce. C'est vraiment bizarre, mais je vais vous dire, c'est vraiment un truc bien trouvé. Donc en gros, je pense qu'il y en a assez beaucoup qui connaissent, bah pas trop encore, mais bon, je le dis. Donc en gros, c'est des défis personnalisés qu'on trouve dans des crews. Donc pour trouver ces défis, je vous conseille d'aller rejoindre des crews recommandés. Donc vous allez dans en ligne crew et vous verrez crew recommandé. Donc moi, c'est ce que je fais pour l'instant. J'ai rejoint tous les premiers crews, hein. Il y a souvent des défis dedans. Si vous n'en avez pas, c'est qu'il n'y en a pas pour le moment. Après, vous devez aller dans liste défis. Et si ça charge et ça fait rien, c'est qu'il n'y a pas de défi. Donc aucun problème, hein. Faut attendre que les créateurs du crew mettent des défis. Et en gros, vous pouvez voir, là je suis en train de vous montrer plusieurs défis, des crews. Donc en gros, là il y écrit la somme. Donc il écrit 100 000. Il écrit 250 000, tout ça, la somme en haut à droite. Et là, j'ai lancé un petit défi à 100 000. Parce que je voulais faire vite, hein, c'était pour vous montrer en vidéo. Parce qu'une vidéo qui dure 30 minutes en cherchant un bon défi, c'est pas top. Donc, on peut le faire tout seul. Il n'y a aucun problème, vous pouvez faire les défis tout seul. Hein. Donc ça, c'est vraiment top. Donc là, je vous ai lancé un défi personnalisé qu'une personne d'un crew a créé. Et qu'il a mis seulement pour le crew. Hein. Par contre, pour jouer avec votre ami, il faudra qu'il est dans votre crew. Hein. C'est que pour le crew. Donc vous invitez votre ami ou vos amis, hein, comme on était trois. Ensuite vous lancez normalement, il n'y a rien à faire. De toute façon, vous pouvez pas changer les paramètres parce que c'est un défi. Donc en gros, faut terminer dans le temps imparti, hein, le temps sera donné, tout ça. Il y a tout d'expliqué, c'est vraiment pas dur. Et en gros, si vous il faut pas que tout le monde termine, mais en gros, si une personne gagne le défi, là on était trois, et moi j'avais perdu, j'avais pas eu le temps. Mais en gros, si une personne termine le défi, et ben tout le monde gagne. Donc ça, c'est vraiment vraiment cool. Comme le Westcore, mon pote, et ben lui il avait terminé dernier, il avait même pas fini la course, il a même pas réussi. Donc il a quand même gagné l'argent. En gros, on peut le faire illimité. Donc bien sûr, là c'était une course à 100 000 $, il y en a à 250 000. Le plus souvent c'est 100 000 et 250 000. Mais bon, ça, des fois il y a des défis à 1 million, 2 millions, tout ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ça penche entre un glitch et une astuce. Donc là, je suis tombé comme une merde, c'est pas grave. Donc un glitch, c'est parce que c'est un peu une course, qu'on ne peut pas faire normalement, on ne peut pas gagner autant. Hein. En gros, c'est Rockstar qui choisit les sous qu'on gagne à la fin. Et voilà, ils ont fait une petite manipulation, ils ont fait des trucs assez bizarres, les créateurs du crew. Et en gros, on gagne beaucoup plus que la norme. Donc ça, c'est vraiment top. Donc voilà pourquoi je vous ai dit que c'était un petit glitch et une astuce. Donc franchement, il n'y a aucun risque de ban. Tous les problèmes viennent de Rockstar, hein, pour ces défis. Donc voilà, donc là, on a déjà terminé, ça va très vite. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous allez voir qu'au début il va être écrit 800 $, un truc comme ça, 870, mais c'est pas là qu'on voit les dollars qu'on a gagné grâce au défi. C'est après que vous allez voir en bas à droite, je vais vous dire quand ça sera mis. Donc là ça va arriver, il faut regarder assez vite parce que comme j'ai mis en accéléré, ça va vite partir. Vous allez voir en bas à droite, dès que je vais vous le dire, il sera écrit plus 100 000 $. Bien sûr, après c'est à vous de choisir des bons défis, des défis qui rapportent plus. C'est à vous de rapporter aussi les défis pour gagner les dollars, tout ça, c'est un petit jeu. Mais franchement, ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire illimité. Et des fois, quand il y a des bons défis, franchement, je vous dirais que ça vaut le coup. Et voilà, c'est argent illimité, hein, bien sûr en 1.11, il n'y a pas de problème pour ça. Et aussi, je voulais vous dire, si vous voulez que je vous explique comment créer... Voilà, là, il y a écrit cash, plus 100 000 $, je ne sais pas si vous avez vu. Ça va vite, parce que j'ai mis en accéléré. Donc voilà, donc avant de terminer cette vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous dirait que je vous explique comment créer vos propres défis. Donc vous pouvez créer votre crew et ensuite ajouter vos propres défis pour gagner autant d'argent, vous pouvez en mettre quand vous voulez, tout ça c'est vraiment cool. Et je pense que je vais le faire, je vais créer un crew juste pour mes abonnés, pour jouer ensemble déjà, taper des bonnes barres ensemble, faire des vidéos délire. Et aussi je vous ferai des défis, des bons défis. De quoi gagner beaucoup d'argent. Donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao.